Cette année, la loterie Divi a commencé le 2 octobre. Et c'est pour l'inscription, ça va se terminer le 6 novembre. Donc c'est en quelque sorte comme pour un mois l'enregistrement des personnes. Après ça, ils vont donner 6 mois encore. Après, les résultats vont sortir. Ça sera à partir du 3 mai 2025. Donc maintenant, pour enregistrer les personnes, on va demander quelques informations. D'abord, quand une personne vient, on te demande si tu as un passeport ou une pièce d'identité. On te demande si tu as un passeport, c'est juste une question de conformité des informations. Parce que si tu as un passeport à la maison, tu viens sans ton passeport, tu peux faire des erreurs en donnant tes informations. Donc ça peut être un problème devant si tu es sélectionné. Donc les informations qu'on demande, c'est les identités, ton nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, ton quartier actuel. Après, on te demande un numéro WhatsApp, là où on va te balancer ton numéro de confirmation, et puis c'est tout. Et beaucoup de gens viennent ici, ils disent qu'ils veulent quitter le pays, bah, c'est comme ça. Hein. Parce que bon, tout le monde veut aller ailleurs. Beaucoup de gens viennent pour tenter leur chance pour quitter le pays. Cette année, on le fait à 20 000 francs. Les gens sont beaucoup intéressés hein, parce que beaucoup de personnes viennent prendre des informations d'abord, comme c'est le début. Mais c'est sûr que les gens vont jouer parce que ça ne va pas ici. Les gens sont intéressés parce que beaucoup de personnes viennent demander qu'est-ce qui se passe. Après, ils demandent, ils disent qu'ils vont revenir après. C'est comme ça. Si on joue pour une personne, c'est pour cela qu'on a laissé notre numéro sur les tentes ici. Parce que dès qu'on joue, quand les résultats vont sortir, tous les gens qui vont gagner, ils vont envoyer des notifications. Seulement ceux qui ont été sélectionnés qu'on va contacter. Après, maintenant, on poursuit la procédure. Personnellement, j'ai été recruté cette année pour enregistrer les gens au niveau de l'agence. Nous, on est posté au niveau de Dabondi. Donc, venez jouer, franchement, tentez votre chance. Il y a beaucoup de personnes qui viennent quand même. Il y a d'autres qui disent non, c'est faux, des trucs comme ça, qu'on mange leur argent et tout. Mais il y a beaucoup, beaucoup qui sont motivés. Parce qu'il y a une personne qui est venue ici, il a dit devant nous, « Ah, il y a un de mes frères qui est parti dans ça. » Donc lui, il est venu pour jouer. Nous aussi, on peut convaincre, disons, à jouer, tentez votre chance, on ne sait jamais. Parce que l'année passée, il y a eu 1000 admis en Guinée. On ne sait jamais. Quant à moi, là, moi j'ai joué plus de 5 fois. Je veux aller en Amérique quand même. Donc ça me motive quand même de jouer. Hein. C'est ce que je dis, on ne sait jamais. On ne sait jamais en fait si je peux gagner ou pas. En tout cas, je vais jouer.